I know what it is. Those are armored vehicles. I'll go to them. Incontrôlable, mégalomane, tyrannique, voire despotique, Jean-Jacques Hano se traîne une sacrée réputation de réalisateur difficile à vivre pour son équipe et à suivre pour les producteurs. But the soul cuts both ways. Mais force est de constater qu'il reste le plus ambitieux des metteurs en scène français de la génération baby-boom, le seul à envisager le cinéma en très grand et à se lancer régulièrement dans des paris impossibles. It was just the perfect novel with a mix of dream, adventure, and a content, which is something so rare now. On pouvait s'inquiéter sérieusement pour son avenir depuis 2007, et sa déconcertante comédie mythologique Sa Majesté Mineure, une plantade critique et publique qui restera dans les annales. Mais tel le PSG renaissant de ses cendres, Hano est allé demander un coup de main aux investisseurs qataris pour l'aider à marcher sur les plates-bandes de David Lean et produire une grande épopée orientale façon Lawrence d'Arabie, or noir. On y suit l'accession au pouvoir d'un prince au cœur noble qui va monter une armée de résistance alors que l'oppresseur Ricain lance son opération de Monopoly grandeur nature en installant ses premiers dériques dans les déserts d'Arabie. Tarraim se voit offrir un rôle au parcours et aux enjeux très similaires à ceux du personnage d'un prophète, du coup, il est à peu près aussi bon que dans le Jacques Audiard. Face à lui, on croit bizarrement plus à Mark Strong en Roi Oriental et qu'à Antonio Banderas, mauvais comme un cochon en émir qui s'énerve avec l'accent roucoulant de Julio Iglesias. Où les femmes, où mon drame, où si douce, où la source de nos larmes. Son sujet permet à Jean-Jacques Hano de mettre en scène une leçon d'histoire matinée de questionnements religieux qu'il rêvait sans doute puissante et propre à réveiller les consciences. Mais tout ça est scénarisé de façon trop simpliste, voire hautement caricaturale, pour que le spectateur averti n'ait pas l'impression d'être pris pour un gros bonnet. Préparez-vous à devenir riche. Immensément riche. Mais bon, si l'on fait un peu abstraction du fond, et d'un début hein, rien longuet, impossible de ne pas se réjouir devant des scènes de bataille très impressionnantes, et qui voient 300 bédouins sur leur chameau affronter au point tank et aéroplane. Hano prouve qu'il n'a rien perdu de son talent, et nous livre une mise en scène à la fois épique et d'une grande précision. Les plus cyniques ne se priveront pas de ricaner devant cette grande épopée guerrière qui n'évite aucun poncif du genre, mais l'ironie dramatique de la toute dernière séquence, aussi noire que le pétrole qui donne son titre au film, apporte un deuxième niveau de lecture qui rend l'œuvre plus maligne et plus profonde qu'on ne l'avait perçue jusque-là. Il est certes dommage qu'il faille 2 heures à Hano pour sortir des sentiers battus, mais il est encore plus regrettable qu'un réalisateur de son niveau soit systématiquement obligé de passer par du casting international et des fonds étrangers pour pouvoir travailler correctement et nous livrer du cinoche bigger than life, conçu de bout en bout pour être vu sur grand écran. Il est con lui aussi, il a qu'à faire des comédies ethniques, hein, comme tout le monde. This way!